Hey, salut les amis! Bon, alors aujourd'hui on se retrouve à l'atelier. On va travailler un petit peu sur mon VTT pour voir un petit peu une chose que je n'ai jamais faite depuis que j'ai le VTT. C'est-à-dire, on va regarder un peu l'axe de pivot, c'est-à-dire l'axe qui est en bas du cadre, celui qui permet de faire fonctionner l'amortisseur central, hein, tout simplement. On va voir aujourd'hui un petit peu l'axe en général, son état, voir s'il n'est pas tordu, s'il n'est pas grippé. Normalement, non, grippé, non. C'est monté sur roulement. Et je voudrais voir un petit peu en même temps l'état des roulements, comment ils sont, leurs références, les dégraisser, les regraisser si besoin, voir un peu si ça gratte pas ou autre, voir s'ils n'ont pas un jeu anormal de fonctionnement. Et vous faire profiter un petit peu de tout ça. Parce que je me suis dit, il me fallait une vidéo sur laquelle je n'ai jamais travaillé. Bah, c'est l'occasion, justement, en ayant un tout suspendu, de travailler sur ce genre de pièces et d'entretien. Donc voilà, on se retrouve directement sur le vélo pour voir un peu comment ça se démonte et comment ça se goupille. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve au niveau du cadre du VTT. Hein. Donc je vous parlais tout simplement de cet axe-là. Hein. C'est vraiment le point de pivot qui permet le fonctionnement de l'amortisseur. Alors bah, pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. Apparemment, c'est juste un axe hein, en type pour desserrer en type VTR. Hein. Donc pour le bien, il en faut deux. C'est quand même plus pratique. Alors je vous le dis, franchement, c'est l'inconnu total. Hein. J'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En plus, apparemment, il y a deux tailles différentes. Ce que je vois. Non, il y en a une plus petite que l'autre. Mince. Voilà. Hop, donc les un poil plus petite. Quand je vous dis c'est l'inconnu. Hein. Comme ça. Je m'embête quand on prépare mes clés en me disant que ça va être bon. Mais non. Donc voilà. Ouais, c'est quand même bien serré. Donc voilà hein, ce qui a fait que là, c'est pas un élément qui a cassé, hein. C'est juste le fait que c'est corps serré d'usine. Alors pourquoi j'ai pas démonté l'amortisseur en haut? Bah, tout simplement parce que j'ai réfléchi, je me suis dit si je monte l'amortisseur, tout ensemble va bouger, ça va être chiant. Que là, bah, j'ai essayé de faire un système de basculement en arrière et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, voilà quoi. Alors je ne sais pas comment ça sort, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas si c'est compliqué, si je ne sais pas. Je fasse attention à ma roue avant. On peut tout faire bouger. Ça vient, ça vient. Hop, voilà. Oh, c'est déjà du gros boulon, hein, on va dire, du gros axe. Hop, regardez. Ouais, comme du frein filet, hein. Comme vous le voyez, il y a pas mal de frein filet. Bon, après, c'est bienvenu, hein. C'est propre, il y a un petit peu de rouille autour, mais franchement, il n'y a rien de méchant. D'autre côté, voir un petit peu comme ça. Ouais, c'est bien ça, c'est un axe avec un roulement. Bon. Donc, il n'y a rien de bien sorcier. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à sortir ça. Et là, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. J'essaye de tourner, de le tirer vers moi en même temps. Mais ça vient pas comme ça. Parce qu'il y a deux solutions. Ou là, c'est en bon état, il est bien graissé, sorti d'usine. Il va bien venir, il n'y a pas de souci. Ou alors, comme là, ben, le vélo, il y a déjà au moins 2 ans. Hein, si c'est pas trop, je sais plus, j'en reviens à la date de chance, on s'en fout. Mais voilà, il commence à avoir plein de poussière là-dedans, ça devient un peu galère à sortir. Bon, après, il y a peut-être une autre solution, c'est pas celle que je préfère. Voilà. Ça serait passer une clé VTR intérieure et puis tapoter tout doucement maillet. Je pense que c'est le mieux qu'il va avoir à faire. On va essayer ça. Alors, mon maillet, il est où? Il est là. Hop, donc on va tenter ça. J'espère que ça va aller. Le problème, c'est que je suis mal positionné. Ça n'a pas l'air de bouger, bien sûr. Ça m'a l'air un peu collé là-dedans. Bon, écoutez les amis, j'essaie de trouver une solution à ce problème et je reviens vers vous et je vous explique ça juste après. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, là, c'est Gaming Posed, là, parce que là, franchement, j'ai pété un peu. Je suis en train d'essayer de sortir l'axe du VTT. Hein. Franchement, il est grippé, il est rouillé de partout. Enfin, il est rouillé. C'est pas l'axe hein, qui est rouillé, c'est qu'il y a eu de la poussière et compagnie qui se sont mis entre les roulements et.
l'insertion de l'axe, on va dire, hein, tout simplement, et franchement, un seul amiseur à sortir, donc je crois que je vais être bon pour aller à l'action racheter des grippons, parce que j'en ai plus, bien sûr. Donc en attendant, bon, on va se faire déjà un petit cappuccino, puis après on verra. Donc c'est parti, hop, je vous fais partager ça, hop, à Dolce Gusto. Et je suis quand même bien équipé en petit atelier. Hein. Bon, elle fait un peu de bruit, hein, vous inquiétez pas. Hop, la deuxième capsule pour le lait. C'est parti. Désolé pour le bruit, je fais que ça vibre. C'est comme ça. Voilà, un pick-up bien. C'est super. Vous voyez, hein, moi je m'emmerde pas, j'ai ma dégueulasse, je m'en fous pas mal. Franchement, vous voyez un peu le niveau de nunucherie, comme je dis, hein, avec laquelle je travaille. Je m'en fous. Je suis pas quelqu'un qui fait des manières et compagnie. Franchement, voilà. Donc voilà, on fait un petit café tranquille, hein, ça me permet des fois de calmer 5 minutes, parce que là, j'en suis arrivé à un point où ça devient compliqué, on va dire. Bon allez, je me bois ça et puis. Au moins un peu ce qu'on peut faire quand j'aurai du dégrippant ou un truc comme ça. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon alors, voilà un peu les amis, j'ai enfin réussi, après avoir bien bataillé pour trouver un système pour pouvoir extraire ce fameux axe. Hein. Bon ben, c'est pas du petit axe, hein, comme vous voyez, qu'on voyait le diamètre du passage, qu'on voyait un petit peu ça. Bon, je l'ai nettoyé à l'intérieur, hein, il était bien crade, hein, comme prévu. Alors, je vous montre après hein, que ça rentre nickel hein, quand c'est propre. Par contre, les roulements, c'est bien ce que je craignais. Bon, ils ont pris un peu de dégrippant et compagnie, mais ils sont bien orange. Hein. Mais franchement, ouais, donc pas trop de jeu, un petit peu très léger, mais bon, bah, il faut en changer. Hein, ça. Pareil de l'autre côté, hein. Voire pire. Bon, bah, il n'y a pas photo, hein. C'est le cas de le dire, il faut les changer. Hein. Donc, bon, bah, là, c'est un peu plus simple à extraire. On va prendre tout simplement une douille adaptée à la taille. La portée du roulement et la voie elle doit chasser vers l'extérieur, donc ils doivent venir comme ça, donc ça quand même bien marrant. Mettre une douille à l'intérieur ou alors ils viennent de l'intérieur à se mettre vers l'extérieur, j'en sais rien, j'ai regardé. Mais en tout cas, bon, les extraire c'est facile. On prend une douille du diamètre du roulement, diamètre extérieur, hein, pas, on tape jamais sur la portée intérieure du roulement, toujours sur l'extérieur, et on vient extraire les roulements. Une fois que ceci est fait, nettoyage des portées, on remet les nouveaux. Alors les nouveaux, on peut le faire des fois avec un outil pour, hein, mais moi j'ai pas. Donc je vais réparer, de toute façon je l'ai pressé, j'ai trouvé un système d'ici là. Donc voilà un peu les amis, j'essaye déjà de voir un petit peu pour les démonter. Je vous montre un peu les références, je vois un peu l'état général des billets intérieurs et on se retrouve sur la table en lui-même. Allez, à tout de suite. Bon, ben, les amis, j'ai enfin réussi à avoir mes fameux roulements. Ça n'a pas été facile du tout, mais vraiment pas du tout. Alors, quand je vais apporter des roulements, enfin, pas là, hein, pas sur les roulements eux-mêmes, mais vraiment sur le cadre du vélo, ça m'étonne pas qu'ils étaient collés, ils étaient rouillés. Enfin, bref, enfin, un cadre alu, ok, mais je pense qu'avec les dépôts de saleté et compagnie, ça peut être simple. Donc, voilà un petit peu pourquoi j'ai bataillé autant. On voit ça, on a tout de suite compris. C'est juste que c'était collé dedans. Et alors j'ai essayé un système de tissulté hein, pour faire une espèce de presse. Mais rien n'y fait, ça marchait pas comme je voulais. Vraiment pas, ça allait pas. Ça tordait le cadre plus qu'autre chose. Hein, vu que c'était collé, ça voulait pas venir. J'avais beau faire tout ce que je voulais, ça allait pas. Donc bah, j'ai été à la manière radicale, hein, massette et puis tapé dessus hein, carrément. Enfin, pas dans le cadre, hein, sur les roulements bien sûr. Mais... Je peux vous dire que j'ai bien bataillé.
Donc voilà, les roulements sont extraits, hein, il n'y a pas de soucis, mais bon, voilà. Ils sont vraiment pas beaux. Sans changer. Donc bah, maintenant, on va faire opération inverse. On va monter les nouveaux que j'ai reçus, qui sont ici, hein, il n'y a pas de soucis. Je les sors, je les prépare, et puis je nettoie un coup la portée des roulements, bien sûr, je les graisse. Et puis je vois pour essayer de remonter ça plus facilement que je les ai démontés. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bon j'ai sorti les nouveaux roulements, je les ai préparés. Alors je vous avais promis la référence des roulements, là voilà, c'est tout simplement 6805, 2RS, C3. Bon alors 2RS, C3, bon peu importe, moi personnellement c'est pas ça qui m'intéressait, c'était sûrement surtout le 6805, hein, c'est surtout ça par rapport au diamètre intérieur, extérieur, diamètre, à épaisseur. Mais j'ai pris surtout avec un flasque étanche, hein, comme ceux d'origine. Bon ben il n'y a pas photo, hein, entre des roulements neufs et les anciens, hein, on ne fera même pas la comparaison. Hein. Je vous montrerai une fois monté sur le cadre la différence de bruit. Vous l'avez déjà entendu sur le rush précédent, hein, quand j'ai fait tourner les roulements sur le cadre. Sans commentaire. Quand j'ai bataillé à les sortir, pareil. Donc ils étaient plus que temps à sortir et à changer. Donc voilà, hein, j'ai nettoyé la portée du roulement, hein, ce qui est beaucoup plus propre. Hein. Bon, il y a encore des toutes petites traces, hein, faut pas non plus exagérer, hein, mais voilà quoi. Pareil des deux côtés, hein, tant qu'à faire. Hein. Voilà, hein, vous voyez, petit coup de paille de fer, c'est pas embêté. Un petit coup de produit jaune de chez Action, hein, en dégraissant, que je me sers toujours. Et puis voilà. Donc ben, maintenant, il n'y a plus qu'à regraisser, puis ben les remonter. Alors comment je vais faire, je ne sais pas encore trop, je vais voir. Mais ça devra aller. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà les amis, bon j'ai bien posé mes roulements, ça a été, il n'y a pas de soucis, hein. J'ai fait un petit système de presse avec un boulon, on va dire un gros boulon, hein. Ça a été, hein. Franchement ça c'est pas, les remettre c'est pas compliqué, hein. Franchement les réinsérer c'est pas le plus dur, une fois que c'est bien graissé, que vous partez bien droit, ça rentre, il n'y a pas de problème, mais quand c'est collé pour la sortir, je veux dire, ça peut être vite l'enfer, et ça je pense qu'il y en a plus d'un qui connaissent le problème. Bon voilà, donc j'ai tout repositionné comme il fallait, comme vous le voyez, c'est blindé de graisse, hein, que ce soit à l'intérieur, j'ai remis mes deux petites bagues entretoises à l'intérieur du cadre, hein, qui viennent ici, hein, je vous avais montré je crois, de toute façon vu quelque part c'est sûr. Donc maintenant bah, tout ce qu'il nous reste à faire c'est remettre notre fameux axe. Alors par contre je ne me rappelle plus si celui-là il va par là ou celui-là par là, je pense pas que c'est une grosse incidence. Je vais le mettre par là, on verra bien. Voilà, maintenant ce qu'il faut, ben, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, il faut viser le trou. Oh, là, franchement, c'est du coup de bol. Bon, parfait. La première partie, impeccable, tant mieux. Non, hop, oh, bon, impeccable, ça y est, hop, il est déjà inséré, c'est parfait. C'est justement ce qu'il fallait. Maintenant, ce qu'il faut, ben, c'est tout simplement remettre la deuxième partie, hein, le enfin, l'écrou, c'est un boulon, c'est deux boulons, c'est un axe traversant qui fait office d'écrou et celui-ci qui fait office de boulon. Voilà, tout simplement. Hop, voilà, bon, impeccable, il est déjà mis, c'est ce qu'il faut. Maintenant, vous reprenez vos deux clés BTR de départ. Hein. Ah, c'est marrant, déjà là, je dis rien, ça tourne beaucoup mieux. Ah, j'ai oublié d'ouvrir à côté les roulements. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à écouter. C'est des roulements neufs, donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure dans le rush, c'est que bah, il n'y a plus de bruit, hein. Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Voilà, hein, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à resserrer tout ça. Bien nickel à fond. Alors bien sûr, c'est un peu dur, parce que déjà au départ, c'était dur à cause du frein filet. Mais là, franchement, bon, hein, c'est dur, mais c'est souple. Parce que la première fois, ça grattait, hein, rappelez-vous. Alors, en même temps, je suis avec tout ce bien en place. Alors surtout n'oubliez pas de remettre vos entretoises, ça c'est très important, c'est comme l'histoire, rappelez-vous sur la vidéo où j'avais fait les freins V-break avec les petites rondelles des vis de fixation d'étrier, c'est le même principe, hein. C'est des rondelles de friction on va dire, donc il faut que, désolé si ça bouge un peu, c'est la roue avant qui tape sur le support, hop, j'essaye de pas trop vous bouger, j'espère que vous voyez toujours. Vous pouvez y aller, franchement, faut pas hésiter. Là, c'est quand même l'axe principal, on va dire. Hop. Là, voilà. Faut non plus y aller. Hein. On n'est pas non plus des machines, hein, comme je dis. Bon, est-ce que vous voyez quoi? Ouais.
je tourne un petit peu, mais vous voyez quoi. Donc voilà. Eh bien écoutez, les amis, en gros, à part remettre le pédalier, je voudrais dire, j'ai réussi l'opération. J'ai changé mes roulements et c'est parfait. Si, il reste encore, si, il y a quand même un petit détail, il ne faut pas mentir. Il reste encore l'axe de l'amortisseur que j'ai renfoncé. Remettre la vis, bien sûr. Et puis voilà, mais franchement, rien d'extraordinaire à ça. Donc voilà un petit peu. Hein. Vous voyez, hein, il n'y a rien de fou. Il faut juste que je renfonce un petit peu ma vis, que je remette l'autre partie, puis voilà. Donc voilà un petit peu, les amis. Je remets déjà ça. Et puis je remonte mon pédalier, puis je vous montre ça une fois terminé. Allez. Donc voilà, les amis, ben, opération terminée. J'ai enfin réussi à terminer le changement de mes fameux roulements de pivot. Hein. Bon, ben, ça n'a pas été sans mal, c'est sûr. Hein, mais comme vous l'avez vu, il y a pas mal de saleté, de rouille. Et malgré qu'il fasse que 7 mm d'épaisseur, ben, malgré ça, avec la saleté, ben, ça m'a donné du mal à les extraire. Alors malgré les différents systèmes que j'ai essayé de faire, vu que je n'ai pas de presse, j'aurais une presse hydraulique, ça aurait été tout seul, hein, franchement, ça aurait été vite réglé. Malheureusement, ben, je suis en train d'y songer un petit peu, de me dire, est-ce qu'un jour, il faudrait peut-être pas que j'achète une presse d'atelier, même une petite, genre, je sais pas, 2 tonnes, quoi, une racée, 2 ou 5 tonnes, peut-être, parce que j'ai quand même la voiture. Et un de ces jours, je vais bien avoir les roulements de moyeu ferme qui en est comme ça, donc là, il va falloir un peu plus de force. Enfin bref, c'est un investissement qui pourrait être quand même bien utile. Enfin, passons. Mon VTT est revenu sur ses roues, hein, donc tout va bien, hein, j'ai essayé, je me suis assis dessus, tout fonctionne bien, il n'y a pas de traquement, il n'y a pas de dureté ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un bon point. Donc, ben, désolé, il a fallu un petit peu de temps pour pouvoir sortir la vidéo, parce que j'ai traîné sur la commande des roulements. Pourtant, c'est parce qu'il coûte plus cher, mais j'ai traîné, bref. Et puis, ben, j'ai eu quelques petits problèmes pour extraire les roulements. Donc voilà un petit peu, les amis, j'espère que cette vidéo, malgré tout, vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile. Je pense que oui, parce que certains ont ce modèle de VTT. Je remarque peu à peu sur Facebook, YouTube et compagnie que de plus en plus l'achètent et en sont très contents. Franchement, c'est un super vélo, il n'y a pas à dire. Hein. Moi, je ne le regrette pas. Au bout de 3 ans, il n'y a pas de problème avec. Bon, après, comme tout vélo, hein, ses entretiens, il y a des pièces plus ou moins simples à changer. Hein, comme vous l'avez vu là, bon, bah, ça n'a pas été aussi simple que je ne le pensais. C'est sûr que c'est bien plus simple à changer des roulements de direction que ce genre de roulement, mais bon, il faut y passer. Donc, faites-le avant 2 ans, parce que franchement, sinon, ça devient l'enfer. Donc voilà un petit peu les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de continuer malgré mon absence ces derniers temps de commenter certaines de mes vidéos, de me demander des conseils et autres. Alors vous inquiétez pas, hein, je vais revenir dans le monde YouTube, hein, y a pas de problème. J'ai une bonne période à vide, j'ai eu quelques petits soucis dans la tête on va dire, hein, en quelque sorte. Je vais pas dire que j'avais une dépression, mais c'est un peu ça. C'est comme ça, hein, ça prévient pas, c'est comme ça, j'ai jamais eu ce genre de problème, mais voilà. Donc voilà un petit peu. Donc merci pour tout ça. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit randonnée ou à l'atelier. Allez, salut, merci.